Salut tout le monde et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment faire de la bonne soupette de grand-mère. Merde, ça doit pas être ça le texte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire une petite musique sympa pour les oreilles. Alors faut que je vous prévienne tout de suite, quand j'ai fait cette musique je devais pas être tout clair dans ma tête, hein. Vous allez comprendre pourquoi après. J'aime bien la musique, c'est trop bien. Tiens tiens, je comprends mieux comment sont créées les chansons paillardes. C'est la grosse dictature. Alors pour commencer cette musique, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Jackie, t'as une idée au standard là? Non je déconne, tu es tout seul. C'est pas drôle. Putain, c'est pas drôle. C'est pas drôle, bordel de... Ça répond pas à la question, qu'est-ce qu'on va mettre dans la musique? Oh putain, une guitare. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, vas-y on met ça. Donc on va commencer avec cette guitare qui nous jouera des notes assez aiguës sur lesquelles on aura envie de lever les jambes en l'air. Ouais, pas trop quand même. Tout va bien. Nickel. Oh là là, je viens de me rendre compte que le truc que je viens de créer là, ça ressemble trop aux musiques qui jouaient dans les châteaux, genre Léonard de Vinci. On va rectifier le tir. Est-ce qu'une basse et une batterie, ça fait château bourgeois? Moi, je crois pas, hein. Allez, c'est parti, on met ça. Maintenant que vous me connaissez bien et maintenant que vous suivez depuis très 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 longtemps mes épisodes de comment faire de la musique, lol, vous savez ce qu'on va mettre après cette intro. Je vous laisse réfléchir. Allez, question pour un gros con, je lance les jeux. Qui est-ce qui va trouver la réponse en premier? C'est un pré-refrain, c'est un pré-refrain. Oui, je sais, c'est moi qui ai gagné. J'ai un pré-refrain, c'est ça, c'est un pré-refrain. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un pré-refrain, mais calme-toi, hein, te pisse pas dessus. Dans ce pré-refrain, on va mettre notre guitare fraîchement acoustique en lui faisant jouer des accords montants, c'est-à-dire qui montent dans les notes. Du plus grave au plus aigu. Elle va donc nous jouer cela. Par-dessus notre guitare acoustique, nous allons rajouter une guitare un petit peu électrique, mais en restant assez clean au niveau du son. Le tout ensemble avec basse, batterie et tout, ça donne ça. Et après ce pré-refrain, on laisse la dernière note de la guitare électrique s'éterniser. Alors le refrain maintenant, il va commencer différemment des autres musiques que j'ai fait précédemment, puisqu'il va commencer tout doucement, en crescendo, comme si c'était un deuxième pré-refrain, mais avec la différence qu'il jouera les mêmes notes que la mélodie. Pas d'inquiétude si vous êtes comme ça devant votre écran. Hein? Putain, j'ai rien compris. C'est normal, pour vous faire comprendre, la musique. Alors on commence assez doucement avec un son assez discret de basse électrique, mais vous inquiétez pas, une grosse basse arrive pour tout balancer la sauce. Dans ce refrain, on ajoute un saxophone qui va jouer des notes assez bizarres. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je devais pas être tout clair quand j'ai fait cette musique ? J'aime bien la musique, ouais. Ça se concrétise maintenant. Eh, c'est drôle, je viens de penser à un truc. La danse qui pourrait aller avec cette musique, ça serait... Nul. Voilà, maintenant que le refrain se termine, on va passer au deuxième couplet. C'est ici que le script s'arrête. Si le restant de cette vidéo, c'est de la merde, vous saurez pourquoi. C'est parce que c'est au feeling! Ce deuxième couplet reprendra sur notre clarinette qui va nous jouer des notes tout aussi bizarres que dans le refrain en fait. Ensuite, pour l'accompagner, on va lui donner son ami la basse qui va jouer des notes assez bizarres aussi. Mais putain, tout est bizarre dans cette musique! Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la composition? Ah ouais, c'est vrai. Pour leur donner un terrain d'entente à ces deux-là, la basse et le saxophone, on va mettre une batterie qui est assez simple et qui fait boum boum. Waouh, au moins un truc pas trop bizarre. Et là on va pas faire dans l'originalité, puisque pour apporter le deuxième refrain, on aura juste à remettre quelques instruments par-ci par-là pour combler les trous.
et faire un crescendo jusqu'au refrain. Ouais, je sais, je savais pas trop quoi mettre comme image. Bon, et après, on remet un petit bout du couplet du début. Ouais, je sais, la musique est très bizarre parce qu'elle est découpée en plein de petites parties. Bon, et après ça, suite logique, pré-refrain, refrain et fin de la musique. Bon, il y avait quand même pas mal de choses bizarres dans cette musique. C'est pour cela qu'on va l'appeler la créa chelou. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette musique que j'ai créée. Je voulais pas la mettre sur ma chaîne juste avec une pauvre image et voilà, la faire défiler comme ça. Je voulais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je l'ai créée, dans quel état j'étais quand je l'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de musique, d'instruments, de rythme ou de n'importe quoi, allez-y dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous voulez. J'essaierai de réaliser votre musique et de faire une vidéo dessus après, ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas, surtout. Ouais, c'est ça. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux mettre un j'aime, tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook juste ici. Voilà. Merci à toi et à la prochaine pour refaire de la soupe. Attention, 3, 2, 1... Oui, c'est assez bizarre chez moi.